Orange peau. J'arrive. Je sais pas qui c'est qui me tire dessus. Il y a un lance-roquette au-dessus. Essaye de l'illuminer. Ah, il est droit devant, ça y est, je l'ai vu. Attends, je vais essayer de le... C'est bon. Ah, une grenade. Mais alors, toi, t'es mort, toi. Ah, lui, tiens. Je m'en occupe, c'est bon. Je me suis occupé des lance-roquettes. Il m'envoie tout de suite. Attention, j'ai lancé une grenade. C'est bon. Il y en a un caché ici, il y a un abri. Oh la poisse, c'est un chou en train de lui tirer dessus. Oh là là. Ah, nickel, t'es caché dans un coin là. Tiens, sale chien. Attends, je... Oh, je me suis occupé de tous les gars au couteau. Ok, ça, y est quand même. Ça va le faire. Je suis mort, mais ça va le faire. Ah, il y en a un qui... Alors, lui... Eh ben... Ah, mais... Putain, je suis mort. Comme par hasard. Pardon, je t'avais pas vu. Pas grave. Allez, c'est parti. Ah, parce que... Ah, là, j'en ai profité, je suis parti, j'ai fait un carnage au couteau. Ah, ça m'a amusé. C'était trop classe. Ravitaille dès que tu vois une caisse de munitions. Oh. Ce serait con de te retrouver à sec en plein combat. Tu souffres. Ah si. Ah, mais bon. Faut l'écouter. Ah, ici, il y en a plein. Au deuxième. Oh putain, je continue, t'inquiète pas. Pourquoi toi? Merci. Hey, j'arrive pas à régler la souris, elle me saoule. Ouais, en plus. Ah, quand même. Nickel. Oh. Ah, je suis presque en train de mettre. Ah, il m'a eu. La planque de la faction est droit devant. Oh, c'est boulot. Une fois à l'intérieur, connecte-toi à la console centrale et extrait un max de données. Table, seulement que j'arrive à régler la souris, tu sais, faut appuyer. En fait, il faut appuyer à mort. Je la chatouille depuis tout à l'heure. Je m'étonne que j'arrive pas. Ça va, fiston? Oh, ouais. Un peu laborieuse, hein, la partie, là. Un peu laborieuse, hein. Il va falloir qu'on mette ça, parce que sinon... Bon, tu me diras, on va recommencer tellement de fois que là, je crois qu'on commence à être blasé. Les sens peuvent déclencher des souvenirs très précis. Tu te souviens de sons, d'images, de paroles de chansons. Tu penses à des trucs auxquels t'as pas pensé depuis des années. L'IDN peut rendre ça beaucoup plus réaliste. Des hallucinations visuelles, des sortes de murmures... Moi, en fait, le problème, c'est que je meurs. Mais c'est parce que j'y vais trop au couteau. Fais attention, hein. Ouais, moi j'y vais, je fonce dans le tas. Toi, tu peux rester tranquille. Tu as plusieurs bugs. Dès que tu seras connecté, tu pourras ouais, après, faut s'y faire. Non, c'est pas de ma faute si je fonce dans le tas. Faut s'adapter.
Moi, dès que je peux, je fonce dans le tas. Et c'est pour ça que. J'avais une taupe à l'intérieur. J'ai quoi à l'essence. Leur contact aurait pu leur fournir tout ce qu'il fallait pour contourner la sécurité à bord du train. Avec cet assaut bâclé, les forces de sécurité ont mis 6 heures à obtenir cette information. Bilan ? Boum le train. Ça t'a pris 6 minutes. Et ça lui en aurait pris 5 si tous ces robots l'avaient pas fait flipper. Et on fait quoi maintenant ? Maintenant, on va trouver ce fils de pute. Dommage que personne ne me regarde. On joue bien quand même. Renseigné par ses potes terroristes, la taupe les attendait. Il avait tout plein de machines de combat avec lui. Pour changer, les forces de sécurité de Zurich ont sacrément morflé. Bilan. Boum le train. Boum le train. On l'a perdu. On l'a perdu. Tu te souviens de la spécialiste Sarah Hall? Elle va te guider pour la prochaine partie. Fais exactement ce qu'elle te dit. C'est moi qui l'ai formée. Elle était spécialiste du renseignement quand ça voulait encore dire quelque chose. Avant l'IDN, il fallait lire des livres. À l'académie, Taylor m'en a fait lire plein des comme ça. Oui, certaines connaissances exigent du travail, de l'attention. Et donc du temps. Mais le temps, on l'a pas toujours. Ok, à nous. À partir de maintenant, la simulation va se détacher des faits. Mais ça aura toujours l'air aussi réel. Utilise ton imagination. Le robot, il se fait sauter lui-même. J'envoie sa position sur ton alliage. Allez, fonce, va le choper. Attention, ennemi au deuxième étage. Ravis-toi, tu t'accroches. Il est toujours en visuel. Eux, t'as une trace. Les rapaces des forces de sécurité, t'en déduis quoi? Il est en fuite. Pas si derrière un ordi. Il peut les contrôler. C'est qu'il a une IDN aussi. C'est la logique même, je te l'accorde. Cet enfoiré court encore. Utilise ce panneau pour atteindre l'autre bout du train maglev. Bon. Je sautais où il m'a dit et au final je suis. Ah bah je peux pas, sinon je vais le perdre. Hein. Non, non, vas-y, continue. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai sauté où elle m'a dit, sur le panneau, et au final, ben. Non, vas-y, vas-y, continue, de toute façon, je vais rappeler. Tu l'as pas activé ton truc, ça a un assisté. Je sais plus comment on fait pour l'activer. Ah, comment je peux réapparaître? Oh là là! Bah, maintenant, on va rire. Faut que tu joues bien, Yacine. Tu déconnes là. Tiens, tu fais n'importe. Là, je m'occupais des drones. Moi, je m'en fous du panneau. Moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille le chercher. Donc, je cours. Il saoule les civils. Pousse-toi, Pourquoi je reste bloqué, moi? Faut pas leur tirer dessus, mais bon. Barre-toi de là, toi. C'est l'occasion que jamais. Chope-le. Je t'ai juste là. Parfait. C'est bon, ça. Ça n'a pas marché comme tu voulais. Hein.
Je pense que notre suspect rencontrera la faucheuse d'ici une quinzaine de secondes. Tu ne peux pas le laisser mourir. Pas avant qu'on ait les informations qu'on veut. Je crois pas qu'il soit vraiment en état de parler. Il a pas besoin de parler. Il a une IDN. Oh, celle-là, elle est trop chou comme dame. Enfoui sous plusieurs couches de protocoles de sécurité, l'IDN d'un individu stocke des vidéos de ce qu'il a vécu. Dans d'extrêmes circonstances, il est possible d'extraire ces informations par la force. Tu peux pénétrer dans la mémoire des porteurs d'IDN, dans leurs pensées, dans leur inconscient. Tu pourrais apprendre tout ce qu'on a besoin de savoir sur les terroristes. Je sens qu'il y a un mais après ça. Disons que cette procédure n'est pas seulement traumatisante pour le sujet. La cinématique, on va faire la pause. Interférences qui détruiront son cerveau. Il mourra. Crois-moi. Et pile, 9h23. Pas une mort agréable. Il est condamné de toute façon. Et puis, c'est un putain de terroriste. Là, ça va le faire. On récupère toutes les infos. Il y a quelques minutes, tu ne savais rien. Qu'est-ce que tu sais maintenant ? Je sais où ils sont. Ils utilisent les anciens tunnels pour préparer leurs attaques. Les gars de Zurich ont mis des semaines à découvrir ce que ton IDN t'a appris. Mais qu'est-ce que je vais dire maintenant ? Bilan, boum le train. Super, tu prends des décisions difficiles quand il faut. Je crois qu'on peut passer à la suite. Allez, joue. Ah, il y a quelqu'un qui nous suit. Salut Doc, comment tu vas? Ah bah t'arrives pile poil, pote, je fais la pause. De sécurité, tu te mets en pause. Ah, je fais 10 minutes de pause et je reviens donc. Là, hein. Parce que là, ça fait. Dommage. Il fait chaud. J'ai soif. Avec Diaz que pas si loin. Ce rigolo, c'est le spécialiste Peter Maritime. Bon, bah, tout de suite. Il va t'aider à comprendre à quel point t'es une putain de grosse. N'oublie pas. Il manque encore la dernière question. To say no, I need to hold on to.